Ici le tavernier et je me fais poursuivre par des zombies tout derrière, juste derrière moi. Salut le zombie. Ah et qu'est-ce que nous allons faire? Ben aujourd'hui c'est le 12e épisode sur Dying Light. Chut, je parle. C'est le 12e épisode sur Dying Light. La semaine dernière, vous avez vu que je me suis fait entuber par un politicien. Bon, il m'a filé quelques caisses. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diriger vers la tour. Oh putain! Wow! Nous allons nous diriger vers la tour. Allez! Vers la tour pour donner des crayons de couleur à des gamins. Qu'est-ce qui se passe? Laisse mon copain tranquille. Merci. Donc, nous allons donner des crayons de couleur à des gamins. Et après, nous allons faire la mission principale. Je sais pas si j'ai déjà dit. On s'en fout, c'est pas grave. Donc, je me dépêche. Pour la mission principale, va falloir qu'on trouve des... hop là, pardon, monsieur. Va falloir qu'on trouve des esquiveurs. Et qu'on arrive à faire en sorte qu'ils ne nous esquivent pas. Alors, je sais pas comment ça va se passer. On va voir. Pour l'instant, j'ai failli me casser la gueule. Pour l'instant, occupons-nous des crayons pour les gamins. Safe zone. Donnons à l'intendant tous les matériaux qu'on a récupérés. J'ai vu qu'on avait pris aussi un point de compétence. Niveau de survivant, qu'est-ce que c'est ça? Critique. Apprenez à utiliser les plans d'armes, vous infligerez plus de critiques. Cool. I need. Bon, il faut qu'on monte. On recherche des crayons de couleur. Les petits commencent à s'ennuyer. Patati patata, ils aiment colorier. Trouvez-leur des crayons de couleur. Chose que nous avons faite à l'école. Il est quand même en bonne santé, Crane, parce que vu le marathon que je lui fais faire depuis le départ. Hein... T'as trouvé des crayons de couleur? Oh, t'es vraiment super. Ah, je les sais. Les gosses vont adorer, tu vas voir. Tiens, voilà pour toi. Ça te sera plus utile qu'à moi. T'as tapé tes thunes, hein. 1 200 $ les 3 crayons de couleur. Bon. Maintenant, le compliqué arrive. Merde, je suis descendu trop bas. Va falloir trouver un esquiveur. Pour trouver un esquiveur, va falloir se rapprocher de lui furtivement. Vous savez que la furtivité n'est pas mon point fort. Et que ça risque d'être fort difficile. J'attends de montrer où trouver ces esquiveurs. Il me tarde de parcourir la ville de nuit. Enfin, il n'y a que toi, Crane, que ça te tarde de parcourir la ville de nuit. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie. Oh, c'est bien ça, une zone de sécurisée, une zone sécurisée juste à côté des esquiveurs. On va aller sur cette zone sécurisée et on va y passer la nuit. Yo. Hop là! Vous voyez, je commence à m'améliorer avec l'utilisation du grappin. Bref, juste ici se trouve une zone de nourrissage des esquiveurs. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ça pue. Où est mon lit?
Voilà, mon matelas bleu. C'est parti. Dirais que ça en est un. Alors on va essayer de le one-shot. Hein. On va se prendre une autre arme. Non, pas la grenade. Je pense qu'il va l'avoir. Une hache de jet médiévale. Ça me semble être une bonne idée. Comment on l'a défoncé? Doc, ça y est. J'ai des boyaux de zombies pour toi. Putain, n'empêche qu'il nous a... On s'est fait repérer. Oh, en fait, ils sont... Comment on l'a défoncé, l'esquiveur? En fait, c'était super simple. Je m'attendais à un truc vachement compliqué, mais on l'a rattrapé en 2-2. Bon, ben, vous savez quoi? On va aller rapporter cet échantillon. 2 jours, hein. C'était ma H2G, comme elle a... Elle a réduit au silence l'esquiveur. En fait, j'ai bien fait de les garder. J'ai bien fait de la garder parce que c'est vraiment puissant. Hein. Esquiveur, pas tant que ça. Hein. Entre, entre. Tu as les échantillons que je t'ai demandé? Oui. Excellent, excellent. J'étais en train de parler de toi au docteur Campbell. Bonjour, monsieur Crane. Content de vous avoir. J'ai entendu parler de vos Voyons voir. Cette créature a un sang plus qu'étrange, sensible à la lumière. Et mortelle sur une arme, je parie. Mais je m'égare. Ma dernière... Des armes à sang d'esquiveur. Un flacon d'antizine. L'échantillon, il est positif pour le virus recombiné. Camden, tu comprends ce que ça veut dire? L'expérience a marché. Quand j'ai mélangé la souche modifiée aux échantillons de viande, ça a marché. Ça pourrait expliquer les mutations. Bonne nouvelle. Et je manque d'équipement, contrairement à Camden. Dommage qu'on ait aucun moyen de lui apporter les recherches ou l'échantillon. Je parie que je vais m'y coller. On peut communiquer par radio, ça suffit pas? Il y a trop de données, Crane. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je ne suis pas sûr que l'on y survivrait. Si proche et si loin à la fois. Et si je vous apportais tout ça, docteur Camden, en main propre, les données et les échantillons? C'est pas vraiment une bonne idée, Crane. Ce serait une mission ultra dangereuse. Oh, j'ai l'habitude. Le remède pourrait être la clé. Tu nous sauves la vie, mon enfant. Tu nous sauves tous. Je te ferai signe quand tout sera prêt. File à présent. J'ai du travail. J'ai du travail. C'est encore nous qui allons nous y coller, comme d'habitude. Hey, Crane, tu m'entends? Écoute, avec Omar, on a décidé d'aller faire exploser le nid. Quoi? Putain, Raïm! C'était mon boulot! Pourquoi? Pour manipuler des explosifs, tu crois? Espèce de touriste. Bref, on a foiré. Bah voilà, comme d'habitude. On est carrément merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Sur la passerelle, et ça va. Va à la gare de triage et planque-toi. J'arrive.
Raïm. Raïm. Bordel. Bon, ben, faut aller sauver Raïm qui a fait encore des siennes. Voilà, bravo Raïm. C'est parti. Bracken. Bracken, tu m'entends? 5 sur 5, qu'est-ce qu'il y a? Je pars chercher Raïm. Raïm? Il est ici. Non, Omar et lui sont partis faire sauter le nid. Et ils sont dans le pétrin. Là, on est dans la merde. Merde! Oui, ils ont trouvé les explosifs! C'est moi qui les ai piqués à Rice. Oh, putain de merde! Je suis pas loin, je vais le ramener, Bracken. J'espère. Tu vas le récupérer et me le ramener en vie que je lui batte le cul. T'inquiète. Non, elle est pas au courant. Je lui en parle pas. Elle partirait à sa recherche. Dit-il qu'elle se mette dans le pétrin, elle aussi. Merde! Ah là là, voilà, ils font encore des conneries. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça nous fera de l'XP. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Allons sauver Raïm, ce gros temps enfoiré. Il se trouve dessus le con. On va utiliser le grappin. Ah, il est pas là. C'est pas lui. C'est toi, Raïm? C'est pas lui non plus. C'est toi, Raïm? Non. Ah, ils ont tous les yeux rouges. Hein. Bon, moi, je suis pas emmerdé par des zombies tous les... Tous les deux mètres. Raïm, t'es où? Bracken, c'est moi. J'ai trouvé que des cadavres sur le pont routier. Aucune trace de Raïm. Merde! Où est-ce qu'il peut bien être? Je lui ai dit d'aller se cacher à la gare de triage. Va le chercher. J'espère que le camp est toujours vivant. Allez, c'est reparti. La gare de triage, c'est où? Ah, mais c'est pas loin. Attention à pas tomber dans les trous. Hop là. Ah, Raïm, Raïm. Ouais, va faire que des conneries, tu vois. Que des cadavres sur le pont routier. Il semblerait que Raïm ait réussi. Je sentais qu'il allait nous faire chier. Esprit de Raïm, es-tu là? Serais-tu dans cette mallette? Non, il n'y est pas. Raïm! Raïm! Allez! Venez, bande d'enfoirés! Venez! Vous ne partirez pas seul! Non, 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 non. Bonjour! C'est tout ce que vous avez? Hop là. Raïm, c'est moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce machin? En gros, dégueulasse qui vomit encore. Oh, mais...
Putain, c'est un gros dégueulasse qui bouge. Fait chier. Cette fois, c'est bon. Rain, je pensais pas y arriver, mais j'ai armé les bombes. Tout va sauter dans moins de 5 minutes. Tu saignes? Je me suis coupé, c'est rien. Va placer les bombes. Tu bouges pas, ok? Je reviens. Putain, il a tout armé. Il y a un accès aux égouts près du mur ouest. Passe par ce tunnel. Il te conduira jusqu'au nid. Mais je sors où, moi? Là? D'accord. Ok. Bon, on saute directement. Ouais. Allez, putain, je confonds touche à chaque fois. Allez, monte. Je sais pas pourquoi quand je vais retrouver Rahim, enfin, je sens que je vais pas le retrouver. De retour à la surface. Tu vois le gros ponceau à droite? Passe par là. Une fois dans le bâtiment, prends la rampe pour te rendre à l'étage au-dessus. Il faut que tu places ta bombe sur une des colonnes. Casse-toi! Voilà les amis, je traîne pas trop. Pardon. C'est bon pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Cherche une colonne identique à la première. T'es passé par où toi? Passer par où le con? Putain! Je me suis fait prendre sauvagement par derrière. C'est pas grave. On reprend. Oh non, on reprend pas de là. Si, si, tu vas reprendre de là. Hop, hop là. Allez, round 2. Lâche-moi. C'est vraiment génial le grappin. Ta gueule. Pardon. C'est posé. Pour la première. Sois prudent. Trouve un escalier pour monter à l'étage au-dessus. Oui. Cherche une colonne identique à la première. Ah là. Pardon. Je voudrais passer. Merci. Allez, on les élimine. On les élimine rapidement. Dégagement instantané. On pose la bombe. Je l'ai. Oh putain! Wow! Il va m'emmerder lui! Allez, on se casse! Salut le gros! Par à droite? À gauche? Non, pas par là! Peut-être par là! Hop là!
pas. Non, pardon, excusez-moi. Laissez-moi me barrer. Bon, ça lag. Je m'en vais. Hop là, voilà. Raïm, ça a marché. Ton plan a marché. Raïm, tu m'entends? Raïm, il est mort. Raïm, reprends tes esprits, voyons. Raïm, stop. Mais arrête-toi de bouger. C'est bien, Raïm. C'est une putain de morsure. Espèce d'imbécile. Oh non, Jade. Tu peux pas fouiller le corps de Raïm ? Rain, tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe ? Raïm est décédé. C'est Raïm. Et il est mort. Merde. Reviens ici. Et dis rien à Jade pour le moment. Jade va faire la gueule. En plus, elle va me dire : ouais, t'avais dit que tu devais le protéger et tout. Et voilà. Et voilà. Et encore, on va encore me rejeter la faute dessus. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours la faute au tavernier. Ah, fais chier. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais dire à Jade ? Il faut que je retourne à la tour. Que je trouve une solution. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Après la vie. Hein. Et la mort. Et moi, il s'est fait mordre. Ah, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Y'a pas de nouvelle quête ? Non. Oh, on a pris un point de compétence. Hein. Putain, niveau survivant encore. Apprenez à m'utiliser le plan d'armes. A chaque utilisation d'armes fabriquées, infligez des dégâts. L'effet élémentaire augmente et vous infligez plus de dégâts. D'accord. Vous êtes la légende d'Aran. Vous obtenez un regain de santé supplémentaire et vous pouvez mieux utiliser le rappel, le bouclier et le camouflage. D'accord. Tac, 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 tac. Merci. J'avais besoin d'une marche. C'est Jade qui va faire la gueule. Oh là, mon petit frère, il est mort. Oh, que c'est triste. La vie est triste. Pardon. À chaque fois, je contrôle la touche et je regarde derrière. Ah, hey, je regarde derrière. C'est impossible à jouer en regardant derrière. Eh, hey, je me suis encore confondu de touche. Ah, un foufou. On va tenter de semer le foufou. On va rigoler. Foufou, je suis là. Foufou. Ah, j'ai pris un peu trop d'avance là. Hop là. Je suis fatigué. Oh putain, il y en a un autre. Wow, c'est un gros dégueu. Nyeom. T'as besoin de quelque chose ? Ouais, il y a plein de nouvelles quêtes. Breaken. Comment ? J'ai dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Et c'était mon ami aussi. Mon meilleur ami ici. Ah bon ? Je trouvais que c'est juste un péteux. Je sais. Il me rendait dingue parfois, mais
Mais je l'aimais comme un frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Bon sang. Si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Oh non. Jade. Ah bah si. Attends. Jade. Merde. C'est bon. Laisse-lui. Laisse-lui un peu de temps. Elle va bouder. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben dis donc, les missions s'enchaînent. Niaou, je suis là. Pas d'inquiétude. Salut gars. Ouais, je suis très vénère. Hein. Y'a mon pote qui est mort. Tiens, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Raté. Putain, il y avait une arme à feu. Cool, un fusil de pouille. Y'a plus personne. Ils ont capturé Zéré et l'ont embarqué. Merde. Je vais. Et c'est la nuit. Merde, Bracken. Zéré a été kidnappé. Sa caravane est en feu. Et merde. Tu vois ce qui se passe quand on spot à Rice? Vous n'auriez jamais dû aller à l'école. On a repéré un important groupe de bandits qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zéré. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est compris? Ouais, mais d'abord on va... On va retourner à la tour. Zéré, il est où? Ah, Zéré, il est là-bas. Hein. Bon. On n'est plus en zone sécurisée. Donc vaut mieux qu'on se barre. Je crois que je me suis fait repérer. Je me suis fait grave repérer. Tu veux pas utiliser le grappin? Non, il veut pas. Oh là là. J'aime pas la nuit. J'aime pas cette fucking night. Voilà. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter, les amis. On prend les quêtes. Récupérer du café pour le club amateur de café. Ok. Attention de tous. Grâce à Rice et son groupe de bruits simplifiés, on sera bientôt à court de bandages. Allez trouver des bandages. Il y en a encore une. Allume gaz, récupérer du gaz. Il a carrément redécoré ma voiture le temps qu'on arrive à lui. Ils ont essayé de rattacher son pouce. Je pense qu'on va faire un petit somme de toute façon. Viens, toi. Somme pour les quêtes, on a tout. Chercher les pansements, fouiller la ville à recherche de gaz, chercher du café. Café, il faut. Putain. Bon, de toute façon, les amis, c'est sur ceci qu'on s'arrête. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Salut les potes.